Voilà, le chantier était prévu initialement, effectivement, sur 6 semaines, et on a eu une avance sur ce chantier de 10 jours. Voilà, pourquoi? Parce que simplement, on a trouvé moins de munitions qu'on avait imaginé le trouver, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dangerosité, il y en avait. Je vais vous faire un bilan de ce que l'on a détruit. Une seule munition, une seule, aurait pu tuer énormément de personnes, donc tant bien même on en a trouvé une, que c'était dangereux. Voilà, simplement, on a déminé 623 mètres de sentier, d'accord, qu'on avait tracé de façon commune avec Didier ici présent, qui permettra à la population d'avoir un visuel sur un site classé. Et c'était bien là aussi un des enjeux, c'est de travailler avec des machines bruyantes, encombrantes, lourdes, et des explosifs dans un site qui est quand même un sanctuaire écologique avec des oiseaux, des espèces dont vous parlera mieux que moi le conservateur. Voilà, sur le bilan, donc 623 mètres de déminés, avec 4 personnels en permanence, 4 démineurs, 4 civils de la défense, ce sont des démineurs et des dépiégeurs, mais on parlera ici que de déminage. Des pollutions industrielles, comme on dit, bon, on va parler de déminage, c'est plus simple. 623 mètres de déminés sur une largeur de 3 mètres et une profondeur de 1 mètre. Initialement, j'avais parlé de 133 cibles. Autant vous dire que la première journée, le 133 chiffre était dépassé. En fait, on a sorti tout et absolument tout de métallique sur ce sentier. On va voir des rails de chemin de fer, on va voir des éclats innombrables de bombes, d'obus et effectivement des munitions de combat, puisqu'on a détruit 8 obus de 75 mm, 4 obus de mortier de 88, des obus allemands à charge rupture. Là-dedans, il y a 400 grammes d'explosifs. 2 obus de 155, où il y a 9 kilos d'explosifs, des obus américains. Et dans les 20 derniers mètres, le jour où vous êtes arrivé après votre départ, on a terminé les 20 derniers mètres du sentier, on a trouvé un obus de 155 et une mine Par contre, antipersonnelle. Il est fort probable, et même absolument sûr, qu'à droite et à gauche du sentier, il y a, il y aura, ad vitam aeternam, des engins de guerre, des obus, peut-être des bombes, puisqu'il y en a eu, comme vous le savez, 20 000 de larguées sur l'île. Donc, oui, effectivement, la zone rouge restera toujours rouge et toujours dangereuse, d'où l'intérêt du sentier que va poser le conservatoire et du respect de cette limitation par l'ensemble de la population qu'il faudra gérer, etc., etc.